Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le mal des transports. Alors, je suis avec une pharmacienne, Karine Laurent. Le mal des transports, qu'est-ce que c'est ? Le mal des transports, c'est tout simplement une désynchronisation entre votre perception visuelle et ce qui se passe au niveau de l'oreille interne, avec effectivement des désagréments qui vont se traduire par des nausées et des vomissements et un mal-être. Ouais, c'est-à-dire que je vois des choses et puis mon cerveau me donne d'autres informations. Exactement. C'est ça ? Et voilà. Du coup, cette désynchronisation se traduit par vraiment des nausées, des vomissements. Et... Alors, c'est connu chez les enfants, mais c'est à tout âge, le mal des transports. Oui, c'est à tout âge. Alors, c'est vrai qu'on a tendance un peu à focaliser sur le mal des transports des enfants, mais des adultes aussi ont cette problématique-là. Et il y a plein de petites choses aujourd'hui pour éviter ça. Qu'est-ce qu'on fait, justement ? Alors, si par exemple on est sur un mal des transports de voiture, il faut déjà, dans un premier temps, que la personne se mette devant, parce que bien évidemment, en étant devant, elle aura moins de problématiques de nausées, de vomissements. Le deuxième élément, c'est qu'il faut, il faut inciter la personne à fixer un point fixe. Et bien évidemment, au regard de nouvelles technologies, ne pas essayer de lire ou de jouer sur son smartphone, parce que ça va accentuer effectivement les nausées et les vomissements. Alors, si tout ça marche pas, il y a des cachets, il y a des sirops, il y a plein de choses. L'homéopathie marche très très bien. Il y a une composante aussi émotionnelle sur les mal des transports. Donc, il y a des ateliers de sophrologie qui peuvent vraiment aider à ça. Après, à conditionner la personne quand il y a des événements qui vont arriver avec un risque de mal de transport. Et puis, après, il y a des approches aussi sur des bracelets qui appuient sur vos points de compression pour pouvoir limiter ces maux. On est malade, prendre un somnifère, c'est une bonne idée ou pas du tout ? On est malade. Si, après, il y a des approches très, très médicamenteuses. Parce que comme ça, on dort, on n'a pas le mal des transports. Oui, il y a aussi cette approche-là. Mais je dirais, si déjà on applique tout ce que je vous ai dit avant, il y a déjà, on limite vraiment les choses. Voilà, vous ne serez plus malade en bateau, en voiture. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.